Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je ne m'attendais pas. Mais quand même, j'étais prêt. Je me disais dans ma chaise, si s'il m'appelle, on ne sait jamais. Mais comme l'a dit le serviteur, toute la gloire est pour le Seigneur. Alléluia. Et j'avais une petite pensée d'un témoignage de comment j'ai rencontré le Seigneur. Il y a des personnes ici qui le savent, qui m'ont vu naître dans les choses de Dieu. Moi, j'étais un moqueur. Je me moquais des pasteurs. Quand je venais, mon cousin venait et me disait, viens écouter la parole de Dieu. Parce que ma femme avait besoin d'écouter la parole de Dieu. Or, je l'amenais pour lui faire plaisir. Et sûrement que Dieu me parlait. Sûrement que Dieu me parlait. Mais moi, quand j'entendais ce serviteur parler, j'entendais sa voix à lui. Et je me moquais de ce serviteur. Je lui demande pardon aujourd'hui, parce qu'il est là. Il est là, avec nous. Je me moquais de lui. La Bible dit qu'on ne doit pas s'asseoir dans les bancs des moqueurs. Et je suis allé à quelques réunions comme ça. Quelques réunions, j'ai amené ma femme. Et mon cousin me disait en sortant de la réunion, me disait, mais t'as rien reçu? T'as pas vu que Dieu t'a parlé? Je fais non. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu de ce que Dieu m'a dit. J'ai surtout entendu ce serviteur et je me moquais de lui. Je donne la miroir. Mais ça quand vous, la miroir. Il est arrivé un moment, 7-8 réunions comme ça, à un moment donné, j'entendais plus. J'entendais plus la voix du serviteur. Je n'entendais plus. Ce que j'entendais de tout ce qui sortait de sa bouche. Que Dieu me parlait directement dans mon cœur. Et là, j'ai réalisé que Dieu me parlait. Qu'il y avait un Dieu. Dieu avait révélé ma vie à travers le serviteur. Quand je suis sorti, j'étais énervé. Je suis allé voir mon cousin et j'ai dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi tu as parlé de moi? Je ne le connais pas, ce monsieur-là. Pourquoi tu lui as parlé de moi? Et il me dit non. Mais je lui ai rien dit. Tout est révélé par le Saint-Esprit. Dieu s'est servi de son serviteur. Pour te révéler ta vie. Et là, j'ai compris. Je suis allé plusieurs fois. Je fais bien, mais mon fritano, tu suis mon pidio. Je vais manier le passant. Je vais voir si c'est vrai. Une réunion, deux réunions. Et on dirait qu'on était à peu près 60 ou 70 personnes. Et Dieu me parlait en particulier à moi. En particulier, c'était à moi qui me parlait. Et c'est là que j'ai vu véritablement l'amour de Dieu. Amen. Dieu a touché mon cœur. Le jour qu'il a touché mon cœur, j'ai pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? Parce que Dieu m'a fait montrer qui j'étais réellement dans ce monde. Et par sa miséricorde et son amour que je ressentis dans mon cœur, j'ai pleuré. Parce que je ne méritais pas cette grâce. Aujourd'hui aussi je le dis. Que je ne mérite pas cette grâce. Mais Dieu m'a fait grâce. Et c'est ça le plus important. C'est de s'approcher de Dieu. Même si tu ressens rien, fais l'effort de revenir. Comme j'ai fait. Sois pas un moqueur. Ne vous moquez pas des choses de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Pas que les cantiques sont très très beaux. Mais aussi la parole de Dieu. Elle nous fait du bien. Il nous fait réaliser ce que nous sommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.